Est-ce que vous pouvez nous rappeler les mesures d'aide aux entreprises? Est-ce que ce sont les mêmes que celles du premier confinement? Alors, ce sont les types de mesures sont similaires, les dispositions pas toujours. Certaines mesures ont été sensiblement assouplies, améliorées pour venir en aide de façon encore plus forte aux entreprises qui sont en difficulté. La première chose, avant de parler de mesures d'aide, c'est que je voudrais rappeler que les entreprises, les commerces en particulier, qui sont fermés administrativement, n'ont pas la possibilité d'accueillir du public à l'intérieur des commerces. Pour autant, ils peuvent toujours continuer leur activité de livraison, leur activité de retrait de commerce. Donc je voudrais vraiment inciter les Landaises, les Landais à continuer à faire des achats auprès de leur commerce habituel, à passer des commandes, à se les faire livrer ou à les retirer ces commandes, mais vraiment à continuer à soutenir l'activité de leur commerce habituel pour que la pandémie et les obligations de confinement ne se traduisent pas par des situations trop difficiles, alors qu'on peut quand même faire vivre ces commerces en allant commander des achats. Je le fais moi-même et je souhaite vraiment que tout le monde le fasse. L'autre volet, évidemment, extrêmement important, c'est toutes les aides que le gouvernement mobilise pour venir en aide aux entreprises, aux structures impactées par la crise et notamment les entreprises qui sont fermées administrativement. Il y a tout un panel de mesures qui sont à la disposition des entreprises et les services de l'État et les opérateurs de l'État dans le département des Landes sont très très mobilisés pour accompagner toutes les entreprises. Alors c'est l'activité partielle où à nouveau l'État va prendre en charge à 100% les rémunérations versées par les employeurs à leurs salariés. Le fonds de solidarité qui est amplifié, qui est assoupli, les entreprises pourront en bénéficier jusqu'à 50 salariés pour une somme pouvant aller jusqu'à 10 000 euros sur un mois. Des mesures d'exonération de report, mais aussi d'exonération de cotisations sociales sont mises en place. Il y a des mesures aussi sur les charges fiscales. Le prêt garanti par l'État est amélioré. Vous savez qu'au début, le prêt garanti par l'État, c'était un prêt pour un an. Il devait être remboursé au bout d'un an et il n'était plus possible de prendre un emprunt de ce type après janvier 2021. Alors, il y a plusieurs améliorations. D'une part, le prêt pourra être pris jusqu'en juin prochain. Il y a un différé de remboursement d'un an de plus qui sera possible sans que les entreprises soient considérées comme étant en défaut. Les prêts pourront être remboursés sur 5 ans. La durée d'amortissement est de 5 ans. Et le ministre de l'Économie et des Finances a négocié avec la Fédération des banques pour que, sur toute la durée du prêt, le taux soit entre 1 et 2,5% garantie de l'État comprise. Donc ça donne beaucoup plus de souplesse et plus de visibilité aux entreprises en termes de taux et en termes de moment où le remboursement sera nécessaire. Et puis pour les entreprises qui seraient vraiment en très très grande difficulté, qui n'auraient aucune autre solution, il peut y avoir des prêts directs par l'État. Voilà. Et puis par ailleurs, l'État a diffusé beaucoup d'informations sur le site, notamment le site du ministère de l'Économie et des Finances, beaucoup d'informations sur pour faciliter la possibilité pour les entreprises de se numériser, de créer des sites internet, de rentrer dans ces dispositifs numériques en mettant beaucoup de renseignements, beaucoup de liens et d'appui pour faciliter cette digitalisation des entreprises. L'interdiction de recevoir du public pour les commerces dits non essentiels, c'est une mesure qui a été contestée, y compris par des élus locaux ici dans les Landes. Est-ce que la police a dû intervenir pour sanctionner des commerçants qui ne respectaient pas la règle? Non, sanctionner, non. On n'est pas dans cette situation-là. Mais effectivement, la police nationale a dû rappeler à quelques commerces qui n'avaient pas bien compris finalement s'ils pouvaient ouvrir ou non, a dû rappeler à certains qu'il fallait qu'ils ferment samedi. Mais il n'y a évidemment pas eu de sanction. Le week-end dernier, les informations qui ont été diffusées ont pu générer de la confusion. Donc c'était juste une mesure d'explication, de pédagogie, mais pas de sanction. Parce qu'ils ont fermé, ils ont respecté la règle finalement. Ils ont
fermer. Tout à fait, tout à fait. Ensuite, en matière de licenciement ou de faillite, est-ce que vous estimez qu'on a pour l'instant limité la casse, en tout cas dans les Landes ? Écoutez, pour le moment, ce que l'on voit, et les représentants des chambres consulaires avec qui je discute beaucoup, les représentants des différents syndicats professionnels, des différentes familles professionnelles me le disent, les mesures très importantes que l'État a mises sur la table ont permis d'amortir fortement la crise. Alors effectivement, il y a des entreprises qui sont en difficulté, c'est indéniable. Néanmoins, à ce stade, peu de plans de sauvegarde de l'emploi, si ce n'est une bonne demi-douzaine, mais émanant beaucoup d'entreprises ou de secteurs qui étaient déjà en difficulté avant le Covid, notamment d'entreprises dans la filière bois ou dans la filière des palmipèdes gras. Pas beaucoup sinon, quelques-unes, mais pas un nombre énorme. Et le tribunal de commerce lui-même n'a pas une activité très importante, son président le dit. Pour le moment, il y a des entreprises en difficulté, on ne dira pas le contraire. Il y a des personnes qui n'ont pas pu retrouver un emploi après une période d'intérim ou des CDD, mais quand même, la crise est fortement amortie par toutes les mesures d'aide et il n'y a pas encore trop de défaillances.